manager. Chaque jour, nous accompagnons des entreprises dans la mise en place de leur stratégie et de leurs actions marketing. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais en fait, cela implique beaucoup d'outils, comme des sites internet, des réseaux sociaux, des CRM, et par exemple des supports de communication. Tout cela engendre évidemment des données. Donc aujourd'hui, tout le monde a entendu parler du big data, les données marketing. C'est bien entendu un élément fondamental de votre marketing et je vous encourage évidemment à capitaliser sur ces données, à les récolter comme aujourd'hui nous travaillons beaucoup avec nos clients dans ce sens-là. Donc les données marketing sont fondamentales et sont aujourd'hui au cœur de nombreuses stratégies. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que simplement utiliser des données de manière à faire des schémas, des scénarios prédictifs par exemple, sont suffisants pour avoir un marketing performant? Eh bien non. Il y a quelque chose, je dirais l'arme secrète, un ingrédient qu'aucune machine ne pourra vous fournir et qui s'appelle l'empathie. Que vous vendiez des livres, que vous vendiez des logiciels pour des décideurs IT, que vous vendiez des petits pots à des jeunes mamans, que vous vendiez des vêtements pour enfants, peu importe. Tout ce que vous vendez, que ce soit à des personnes ou à des entreprises, vous les vendez à des humains. Et à partir de ça, à partir du moment où on comprend cela, que le décideur, l'acheteur est toujours un être humain, même si c'est une entreprise qui paye, on a fait un grand pas et on comprend que pour réussir à capter leur attention, pour réussir à les convaincre, l'empathie prend vraiment un rôle fondamental dans, dans toute votre réflexion stratégique. Contrairement à des machines, contrairement à juste des entreprises ou des organisations, les personnes, les êtres humains ont des émotions, ont une rationalité, ont des attentes. Et utiliser l'empathie va permettre de vous connecter ou de vous reconnecter avec vos clients et vos prospects. Alors, qu'est-ce que l'empathie exactement? L'empathie, c'est la capacité à envisager un état émotionnel, à envisager des attentes et tout simplement à se mettre à la place de son client. Ça n'est pas la sympathie qui est un sentiment, ce qui est, on va dire, arriver à donner une image positive de soi. Non, l'empathie, c'est vraiment arriver à appréhender tout ce que son client et son prospect peut se ressentir au niveau émotionnel, affectif et au niveau de ses attentes. Et en termes de marketing, c'est vraiment arriver à anticiper ses besoins et comment y répondre et quels sont, on va dire, les sentiments qui vont l'animer dans sa prise de décision pour arriver justement après à trouver les mots qu'il faut et surtout les services et l'offre qu'il faut. Concrètement parlant, l'empathie, ça va être arriver à identifier la manière, du moins les sentiments ressentis face aux problèmes que rencontrent vos clients et auxquels vous proposez une solution. Ça va être également au niveau toujours émotionnel et même au niveau bénéfice, qu'est-ce que votre client, votre prospect va ressentir lorsque ce problème sera résolu et quels sont éventuellement ses doutes, ses frustrations et ses craintes par rapport aux produits ou aux services que vous pouvez proposer, parce qu'il y a tout un cadre de pensée, ce n'est pas simplement un acte d'achat, c'est tout ce que cela va représenter dans sa vie ou dans son travail. Et il est essentiel vraiment de faire ce travail pour arriver à capter parfois des facteurs bloquants ou au contraire des facteurs motivants au niveau de votre client. L'empathie est souvent, on va dire, une qualité qui est plus facilement attribuée à des femmes parce que spontanément et naturellement, les femmes seraient mieux disposées à être empathiques. Toutefois, un homme peut parfaitement être empathique et suffisamment empathique pour vendre des produits féminins, par exemple des vernis à ongles. C'est tout à fait possible. De même que vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour lancer des services de luxe, non, il suffit juste d'arriver à anticiper, à faire ce travail sur de vous mettre à la place de vos clients pour y arriver. Donc, bien entendu, on le sait aujourd'hui, les femmes sont plus disposées, plus prédisposées. Ça ne veut pas dire que que vous devez avoir la même situation que votre client pour pouvoir réussir à être empathique. D'où la question, comment développer, comment mettre en place un système pour arriver à développer de l'empathie?
Alors, l'empathie, comme c'est vraiment une faculté humaine, ça ne se trouve sous-traite pas à un robot. C'est juste impossible. Les robots sont aujourd'hui capables de compiler beaucoup de données, mais pas du tout d'être empathiques. Nous allons voir une série de questions que vous pouvez vous poser pour arriver à développer cette faculté d'empathie vis-à-vis de vos clients. Tout d'abord, que voit mon client ? Vos clients et vos prospects sont, on va dire, ont un environnement et ils sont confrontés à plusieurs choses qu'ils voient. Par exemple, leurs amis, leurs collègues de travail, leur famille, les offres de vos concurrents auxquelles ils sont exposés, tout cela fait partie de ce qu'ils voient. Et vous devez vous poser cette question, que voient-ils qui pourrait influencer leur façon de me percevoir, ou du moins, et leurs attentes. Vous pouvez également vous demander, qu'entendent mes clients ? Qu'est-ce qu'ils entendent de la part de leur famille ? Qu'est-ce qu'ils entendent de la part de leurs supérieurs, de leurs amis, de leur cercle ? Qu'ils vont directement influencer leur manière de percevoir vos services ou qui vont du moins influencer leurs besoins également. Posez-vous cette question parce que les cercles auxquels ils sont soumis ont une influence directe et peuvent vous aider, vous, à avoir développé cette empathie si importante pour comprendre votre client. Alors une question peut-être un petit peu plus dure à répondre, c'est que pense et que ressent mon client ? Vos clients, surtout dans certains secteurs, vis-à-vis de certains problèmes, ressentent des choses plus ou moins avouables, qui peuvent être parfois juste de la peur ou même de la honte. Et il va falloir réussir à identifier ces sentiments qui les animent et qui parfois sont un peu bloquants ou du moins un peu enfouis et dont ils ne vont pas spécialement parler facilement ou pas parler du tout. Il va falloir creuser pour arriver à identifier cela, parce que pour vous, cela pourrait être vraiment un levier de réussite pour mieux vous adresser à eux. Demandez-vous également ce que craignent vos clients, parce qu'il arrive parfois que face à un problème, il y ait des craintes particulières, des obstacles ou des doutes ou des frustrations qu'il va falloir identifier tout simplement en vous mettant à leur place, en vous mettant dans leur position. Et ce sera plus facile pour vous après de trouver des solutions et une manière de vous adresser à eux vis-à-vis des solutions que vous proposez. Et enfin, qu'espèrent vos clients ? C'est une question que l'on devrait facilement et de manière assez intuitive se poser et puis finalement qui n'est pas si évidente, à laquelle qu'on ne se pose pas nécessairement d'entrée de jeu et qui pourtant a une place fondamentale dans votre capacité à être empathique. Quels sont ses rêves ? Quelles sont ses attentes ? En quoi ce que vous allez proposer va pouvoir les aider à atteindre ce niveau de satisfaction ou ses attentes. En faisant ce travail, vous allez pouvoir mieux vous positionner par rapport à ce qu'ils attendent de manière, on va dire, qu'ils l'affichent ou qu'ils ne l'affichent pas. Parce que parfois, ces attentes ne sont pas avouées, elles sont même plutôt enfouies en eux, mais en les exprimant à leur place, vous allez pouvoir vraiment marquer des points. Alors, à quoi sert vraiment de mettre en place un système plus empathique, un marketing plus empathique vis-à-vis de vos clients ? Eh bien, une des premières choses, c'est que cela va vous servir à innover. Pourquoi innover ? Parce qu'en vous mettant à leur place, en comprenant mieux qu'est-ce qui les anime, les émotions, les frustrations, les attentes, les besoins, vous allez pouvoir mieux anticiper des services et des produits qui vont les satisfaire, qui vont vous démarquer de votre concurrence et qui vont montrer que vous êtes connecté à vos clients parce que vous les comprenez. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel aujourd'hui en marketing où tout est automatisé, tout est finalement analysé à la moindre donnée, tout ce qu'on fait est collecté, mouliné. Mais cette dimension humaine de « j'ai compris ce que vous attendez » est essentielle et vous permettra véritablement de vous différencier. Être plus empathique vous permet également de mieux communiquer avec vos clients et avec vos prospects. Comme vous comprenez mieux comment ils fonctionnent, comme vous comprenez mieux quelles sont leurs attentes, vous êtes en mesure de mieux les servir et notamment dans votre communication. Cela peut être par rapport à un mode de communication, par rapport au niveau du timing de vos communications ou du contenu de vos communications. En effet, en comprenant mieux de quoi vous parlez, de quoi vous avez besoin de leur parler et ce qu'ils ont besoin d'entendre, et j'insiste sur une manière de le faire qui doit rester authentique, sans vous forcer, vous allez créer ce lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui le storytelling, c'est-à-dire que votre marque, votre enseigne, ou tout simplement vous-même si vous êtes un expert, vous allez réussir à mieux communiquer ce que vous pouvez leur apporter et l'histoire que vous voulez leur raconter. Quand je dis raconter une histoire, ce n'est pas raconter des mensonges, c'est véritablement raconter l'histoire qui va vous lier à eux et qui va faire qu'ils vont venir vous voir, vous, plutôt que quelqu'un d'autre.
Et lorsque vous arrivez à innover avec vos produits et vos services et à mieux communiquer grâce à l'empathie que vous allez placer dans votre marketing, cette dimension supérieure qui va chapeauter tout votre marketing, vous allez arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui l'enchantement. Alors, c'est un mot peut-être un petit peu exagéré, un petit peu glamour pour ce que ça désigne, mais c'est véritablement arriver à créer ce sentiment d'avoir enchanté, d'avoir ravi un client qui est satisfait. Et un client qui est enchanté et donc satisfait, c'est un client que vous allez réussir à fidéliser par le lien que vous allez créer avec eux. Si vous avez des questions ou des commentaires à partager sur l'empathie dans le marketing, n'hésitez pas à le laisser en commentaire de cette vidéo. Je serai ravie de pouvoir vous répondre et d'en discuter plus longuement avec vous.